Bonjour à tous, bonjour la team Biquette, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur mes autres chaînes. Donc merci à vous d'être là, de me suivre et de me soutenir. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher des pouces bleus et à cocher la cloche. Merci à vous pour faire ça, ça fait reconnaître et avancer ma chaîne. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur cette vidéo. Un nouveau jeu va bientôt sortir, qui a l'air très 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 intéressant, qui donne envie, surtout si vous êtes fan de la série, de la... pas la série, mais la trilogie Jurassic Park, et Jurassic World, et j'en passe. Mais c'est surtout Jurassic Park. Nous allons voir un petit peu la fameuse bande-annonce, profiter, et après on en reparle. Ah, la fameuse cuisine. Oh, ça, ce sont la tête qui vient de ce côté-là. Ouais. Les crashs du liquide. Aïe, aïe. Ça, c'est de l'empreinte. Oh. T-Rex. Yes. Ah. Ah oh. Voilà. Donc c'est un jeu qui va sortir, comme vous le voyez, sur multi-console. Donc ça va être sympa. Vous pourrez profiter sur tous les types de consoles. Donc revenez sur Isla Nublar au lendemain des événements du film original de Jurassic Park de 93 pour y vivre une aventure qui dure depuis 65 millions d'années. Donc ça se passe juste au lendemain des problèmes du premier film. Voilà, ils sont tous échappés. Et ben voilà, c'est le lendemain, c'est juste après. Tentez de survivre dans cet immense jeu d'action-aventure en solo à la première personne où vous incarnez le docteur Maya Josie. C'est qui est là. Une scientifique d'Ingingen qui n'a pas pu évacuer Isla Nublar et découvre une histoire inédite. Au fil des rencontres fascinantes, ressentez l'émerveillement et le danger incarné par les dinosaures ramenés à la vie par la vision de John Hammond. Chaque espèce dispose d'un comportement distinct et adaptatif. Vous allez vous demander c'est quoi? Ben c'est normal, c'est chaque dinosaure a sa propre mobilité et instinct, etc. quoi. Par exemple, le T-Rex, vous avez bien vu que si vous avez vu les films, quand vous bougez le truc thermique, il voit par rapport à ça. Bah, l'autre là, celui-là justement, celui-là avec ce qu'on vient de voir en plus, avec les trucs sur le côté là qui crachent du venin noir, voilà, ce sera pas le même que le T-Rex ou le Vélociraptor, etc. quoi. Ils seront pas pareils. Voilà. Donc tu vas explorer Isla Nublar, partez à l'aventure dans Isla Nublar entièrement modélisée et peuplée d'une faune réactive, de dinosaures et autres dangers surprenants, des portes emblématiques du parc au centre d'accueil des visites. Ah, donc apparemment ils ont pris exactement les mêmes photos, dimensions, portraits, etc. du film pour
vous mettre le jeu. Échapper aux prédateurs préhistoriques, échapper aux dinosaures emblématiques du film qui vous traquent, déjouer leurs embuscades et interagissez avec eux. Furtivité et diversion seront vos deux atouts pour survivre lors de rencontres inoubliables face aux créatures les plus dangereuses ayant jamais vécu sur Terre. Donc à mon avis, ce sera un jeu, comme ils l'ont dit, aventure solo. Il t'aura pas d'armes, à mon avis, ou peut-être une fléchette tranquillisante. Tu vas pas tuer d'animaux, rien du tout. À mon avis, ce sera le but sera de t'évader de l'île. Voilà. Donc à mon avis, tu dois partir à peu près où est celle-là apparue, au niveau du centre ou je sais pas quoi, et essayer de faire rentrer les dinosaures dans cette porte-là ou dans l'autre, etc. ou dans des enclos pour pouvoir toi passer à des endroits, passer à droite à gauche, attendre que les dinosaures y passent, je pense, pour arriver jusqu'au point final de l'île, je pense, en évitant de te faire bouffer. Explorer le parc et affronter ses dangers. Utilisez toutes les ressources à votre disposition pour trouver des solutions intelligentes afin de survivre aux nombreuses menaces qui rôdent l'Isla Nublar. Voilà. Eh bien écoutez, ça donne envie. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de date de sortie. Voilà, donc intéressant. Bon, ça sera, c'est survival, donc comme vous le voyez, hein, ça sera de la survie. Ne vous faites pas bouffer. Bah écoutez, dès que le jeu il y aura des nouvelles nouveautés, dès que je saurai qu'il y a la date de sortie, ben, je vous en dirai plus. Et puis bien sûr, quand le jeu sera sorti, ben, j'y jouerai à fond. Voilà. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner déjà, à liker les vidéos et à cocher la cloche. Comme ça, vous pourrez suivre toutes les nouvelles vidéos que je pourrai sortir sur ce jeu et même sur les autres auxquels je joue. Allez, sur ce, bonne journée à tous et bonne game. Ciao, ciao.